l'Éternel nous enseigne que la vie de l'homme est comme l'herbe, qui le matin pousse, mais quand vient le soir, quand le vent souffle, elle n'est plus et elle ne reconnaît plus sa place. Et la consolation nous vient de notre Dieu qui dit, maintenant, vous connaissez les tribulations, mais vous connaissez la joie et personne ne vous arrachera à cette joie. C'est pour de cela que nous voulons espérer, comme des chrétiens, que la vie d'ici est un passage pour une vie encore plus meilleure. Notre désir était que notre Père reste avec nous. Mais c'est toi qui es Dieu, nous sommes tous dans ton monde. C'est toi qui as fait ton destinée et qui l'a rappelé à toi, comme il en sera pour chacun de nous ici. Mais c'est comme des êtres de chair que nous ferons, mais aussi comme des hommes et des femmes de foi que nous voulons tourner nos yeux vers toi. Et Seigneur, notre Dieu, implorer ta présence au milieu de nous. Cette présence qui console. Accueille l'âme de notre Père, de notre ami, de notre frère, et donne à ses femmes. Papa qui a lavé les enfants pour aller à l'école. Tu l'as aidé, papa. Tu l'as aidé. C'est papa qui nous lavait pour aller à l'école. C'est toi qui nous as accompagné. En paix,
qui savait qu'il avait laissé des adultes. Il avait laissé des hommes. Il était en paix. Je les imagine déjà tous les deux. Je ne peux pas ce que tu dis ici. Merci, Sophie. Merci. Pour ceux qui nous ont assisté de quelque manière que ce soit, même en pensée, de près, de loin, partout où vous avez été. Parce que je me suis rendu compte, nous sommes rendus compte. Avec vos transferts de remerciements, même à ceux que nous connaissons pas, mais qui ont compatible. Merci.